aux États-Unis d'Amérique. Voici une jeune Africaine qui a obtenu sa graduation, mais les encadreurs refusent de citer son nom à cause de sa couleur de peau. Elle a donc décidé de se présenter elle-même. Okay, go. Go. Let's go. You didn't let me get my moment, so I want to say my name is Kadijah Diallo and I'm graduating today. Hey, oh my God, you snatched the mic out of my hand, so today is going to be all about me. Oh. Please. Oh, oh God! No! No! Oh my God! Oh my God! What? The rings, please. Oh, oh God! No! No! Oh my God! 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 Break it down behind the mango tree. We make a civil la sœur Lina dit boule à zéro. Moi, je suis pasteur 2.0. Voilà les télés antillais. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-François? Ah, mais pasteur, on aime notre pasteur, il est magnifique, c'est 2.0. Voilà, mais tu lui t'es arrêté de m'embêter parce que des fois... Oui, il faut arrêter, parce que quand tu as notre pasteur, il ne faut pas l'embêter. Hein. Ouais. Nous n'aimons pas ça. On n'aime pas ça. Donc. En tout cas, merci pour l'émission qui est vraiment très instructive et qui apporte beaucoup pour les Martiniquais. Oui. Donc, voilà. Super. Okay. Tout ce que je sais et qui est sûr, Dieu vous attend et il veut parler à chacun de vous. N'ayez pas peur de l'écouter et de lui parler, donc de prier. Moi, personnellement, vous savez que j'aime le foot. C'est ma passion. C'est tellement important pour moi. Et j'aimerais vous dire, moi aussi, que j'aime Jésus. Je suis reconnaissant à Dieu et à Jésus, car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie. Déjà, Jésus me donne un sens à ma vie. Je sais qui je suis, je sais où je vais, j'ai confiance en lui. Aussi, il s'est fait proche de moi. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours. Comme vous, j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de lui parler, de lire sa parole, de l'écouter et aussi de lui demander pardon régulièrement. C'est la sœur Lina. Lina. Et qui a dit bonjour à Jean-François. Bonjour à Jean-François. Bonjour à Jean-François. Jean-François, la boule à zéro. Boule à zéro. Je capte Jean-François. Jean-François, on est avec Juliette. Elle nous suit. Toujours sur Télé Anti. Toujours. Alors, que tu dis à Jean-François? Bon, il n'est pas gentil avec moi. Hein? Parfois, il n'est pas gentil. Jean-François, tu vois. Il faut poser des questions gentilles. Il faut être gentil avec moi parce que sinon, un jour à Guadeloupe, on va te manger ici. Est-ce que tu aimes Télé Anti? Qu'est-ce que tu aimes dans Télé Anti? Surtout ton regard. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais il faut que je vois. Il faut que tu vois. Ah oui. Oui. Tout le temps. Je cherche. Ah, on est à Capesterre-Belle. À bientôt.
Bonjour, chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que je vais partager avec vous la parole de Dieu. Je suis convaincu que si vous observez la parole de Dieu, si vous obéissez à cette parole, vous allez connaître le bonheur. Voyez, tout le monde veut être heureux. Mais en fin de compte, tout le monde cherche le bonheur. Que cela soit le footballeur, que cela soit le musicien qui cherche le succès, que cela soit l'homme ou la femme qui cherche l'amour. Nous sommes tous à la recherche de bonheur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudra être malheureux sur terre. Donc nous tous, nous cherchons le bonheur. Mais où trouver le bonheur? Où trouver le bonheur? Voyez, et bon, il y en a qui disent l'argent donne le bonheur. Et j'ai vu des gens heureux, mais sans argent. Par exemple, Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste était dans le désert. Il vivait seul, il mangeait les sauterelles. Mais c'était un homme heureux. Et l'erreur nous faisons, nous croyons que le bonheur se trouve dans le grand nombre des amis. Je dirais plutôt, quand nous lisons Proverbe, Proverbe dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Aïe, 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 aïe. Voilà, voilà. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Vous allez dire, mais pasteur, qu'est-ce que dit? Voilà, on va voir ce verset. Hein. J'aimerais vous donner ça. Celui qui a beaucoup, beaucoup d'amis les a pour son malheur. Proverbe 18, verset 24. Proverbe 18, verset 24.
Des camarades nombreuses peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. Bon, j'aime pas. Bon, là, ça, c'est la version français courante. Hein? La version Reina Valera. El nombre que tienes amigos ha de mostrarse amigo. Je comprends pas cet espagnol-là. Proverbe 18, verset 24. Louis Segond dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. La traduction écuménique de la Bible. Qui a beaucoup de camarades en sera écartelé. Mais tel ami est plus attaché qu'un frère. Vous comprenez? Nous aimons avoir beaucoup d'amis, et nous aimons être entourés. Et j'ai dit aux TikTokiens, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Je ne peux pas vous le dire toutes les secondes. Voyez, vous voulez écouter la parole de Dieu. Amen. Mais petit, je suis un peu de petit, je suis un peu de temps. Maintenant, je suis un peu de un ancien Yankee. Et. Petit, je suis un peu de temps. On dirait Mundele ou bien entier. Je suis un peu de temps. Misoga petit. Ndunzwe Zali. Les Congolais me prennent pour un entier. Les Congolais, tous les Congolais pensent que je suis un entier. Alors, quand ils me voient parler Lingala, ils sont choqués. Voyez, on cherche tous le bonheur. On cherche tous le bonheur. Mais moi, j'aimerais vous donner la clé du bonheur. La clé du bonheur, c'est Jésus. Dans le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger. Le dernier verset, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'Éternel est mon berger, l'alpha, l'oméga, le dernier verset du psaume 23, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je resterai connecté à l'onction. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour le restant de ma vie. Je resterai sous l'onction. Je vivrai selon l'Esprit, dans l'Esprit, pour tous les restants de ma vie. Le bonheur et la grâce. Écoutez, il y en a qui sont prêts à trahir. Moi, je vis des Africains comme moi qui ont vendu la maison familiale pour venir en Europe. Beaucoup des Africains sont convaincus que le bonheur est en Europe. Voyez, beaucoup des Africains sont convaincus que le bonheur est en Europe. Et mais je connais plein qui sont déçus. Je connais plein qui sont déçus. Voyez, la chose la plus méchante, c'est l'attitude de nous, les Africains qui sont en Europe. On vend un faux rêve à nos frères qui sont restés en Afrique. On vend un faux rêve. Des fois, tu n'as pas où dormir. Tu n'as pas des habits. Tu n'as pas de papiers. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu empruntes la veste de ton ami. Tu empruntes, tu vas devant une voiture. Tu fais des belles photos devant Tour Eiffel. Et tu l'envoies en Afrique. Je ne sais pas pour donner une bonne image de toi. Mais alors que ce n'est pas la réalité. Et ton frère, tes cousins, tes amis qui sont en Afrique, ils pensent que tu dors dans un château. Ils se disent, mais le monsieur, il a fait à peine 3 mois en Europe, il a déjà pu acheter de si beaux habits. Et il a une aussi belle voiture. Et parce que nous vendons de faux rêves, nos frères et sœurs, nos cousins, nos compatriotes, ils sont prêts à détruire leur vie pour vivre ce faux rêve que nous leur montrons. Ils abandonnent leur maison.
Certains vont jusqu'à vendre les terrains familiales. Moi, je connais quelqu'un qui a vendu la maison de son père et de sa mère. Il a pris l'argent, il a émigré jusqu'en Europe. Et un jour, ses parents sont assis comme ça, ils voient la police débarquer, un monsieur débarquer et leur dire « Quittez le lieu, c'est ma maison. Quittez le lieu, c'est ma maison. » Imaginez-vous. Et c'est eux le gars. Se retrouve en Europe, sans papier, sans travail, avec l'ordre de quitter le territoire, mais il ne peut pas quitter, il préfère mourir. Il préfère mourir parce qu'il a vendu le terrain familial. S'il rentre les mains vides, on risque de le lapider. Tout cela, c'est pourquoi ? C'est parce que nous cherchons le bonheur. Sans compter les gens qui se marient. Il y en a qui se marient sans amour. Il y en a qui se marient sans amour, par intérêt, pour avoir l'argent. Ils se marient avec un homme qu'ils n'aiment pas parce que le monsieur est riche. Vous sacrifiez votre bonheur pour le matériel. Oh, croyez-moi, le bonheur, je sais de quoi je vous parle. Moi qui vous parle là, j'ai rencontré des milliardaires. J'ai dit milliardaires, ce n'est pas millionnaire, milliardaires. J'en ai rencontré. J'ai rencontré des clochards aussi. Mais je peux vous dire, je suis arrivé à la conclusion, le bonheur, c'est la présence de Dieu. Tu peux acheter un beau lit. Écoute bien, tu peux acheter un beau lit. Confortable, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Tu peux te construire la plus belle villa au monde. Confortable, mais tu ne peux pas acheter la paix. Tu peux acheter le confort, mais tu ne peux pas acheter la paix. Tu peux acheter la nourriture, la plus belle nourriture succulente comme tu veux, mais tu ne peux pas acheter l'appétit. Tu peux acheter le plaisir sexuel quand tu as des milliards. Moi, j'étais à Saint-Domingue. Et je vous dis, j'étais à Saint-Domingue. J'ai vécu longtemps là-bas. J'avais mes enfants qui étudiaient là-bas. Je peux vous dire que j'ai vu la plus belle femme au monde que je n'ai pas vue ni à Paris, nulle part au monde. Elles sont belles. Et elles sont belles et fragiles. Elles sont belles et fragiles. C'est pour cela que je vous dis que, je vous avoue, je n'ai pas vu encore une femme qui, par sa beauté, peut me faire tomber. La beauté ne peut pas me faire tomber parce que j'en ai vu. J'étais à Saint-Domingue, j'ai vu des poupées. Mais je comprends que vanité de vanité, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Je sais de quoi je vous parle. Vous voyez. Tu peux acheter le plaisir. Et puis, elles sont belles, elles sont fragiles. Imaginez-vous une belle, belle femme, mais qui gagne 100 euros par mois. Comment peut-elle résister à un Français ou à un étranger qui a 100 fois le pouvoir d'achat? Mais cette femme-là ne t'aime pas. Elle peut te donner le plaisir, mais elle ne t'aimera jamais. Voilà, c'est ce qui arrive à beaucoup de Français, et même des Antillais, qui vont à Saint-Domingue, qui voient de belles filles, qui se marient avec, qui construisent des maisons, qui font tout. Mais en fin de compte, ils sont déçus parce qu'ils ont le plaisir, ils ont le service. Et ces femmes-là sont gentilles, poliment, mais l'amour n'y est pas. Cette femme-là aime leurs petits copains dominicains qui n'ont rien. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Alors ne faites pas de l'argent votre priorité. Ne faites pas de l'argent. Ne soyez pas de ces gens qui sont prêts à détruire une famille pour l'héritage. Ne détruisez pas votre famille pour les biens matériels. Surtout sur aux Antilles, des maisons abandonnées, la famille qui se déchire
pour question de terrain, de maison, de bœuf et d'héritage. Ça ne vaut pas la peine de détruire une famille. Parce que lorsqu'on vous enterrera, vous n'irez pas avec votre argent dans le cercueil. Le bonheur se trouve auprès de Jésus. Alors, si tu veux le bonheur, donne ton cœur à Jésus. Si tu veux le bonheur, donne ta vie à Jésus. Tu le regretteras jamais. Tu le regretteras jamais. Ici, je ne suis pas en train de parler de la religion. La religion vous décevra. Moi, la religion m'a beaucoup déçu. Dans la religion, il y a trop d'hypocrites. Trop d'hypocrites. Les gens que vous appelez parfois pasteurs, ce sont les pires. Les gens que vous appelez pasteurs, parfois, ils sont méchants, ingrats. Hein? Je sais de quoi je vous parle. Les gens que nous appelons parfois pasteurs, ah, vous savez de quoi je parle, hein? Les histoires. Les histoires que nous avons vécues. Ne faites pas confiance à quelqu'un parce qu'il est pasteur ou parce qu'il est imam. Hein? Ne faites pas confiance à quelqu'un parce qu'il est pasteur ou parce qu'il est imam. Vous voyez, moi, j'essaie. Attends, je vous parle de cela. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 57 ans. Les gens qui m'ont le plus déçu, qui m'ont fait plus du mal, c'est des pasteurs. Regardez un exemple. Jean-François Saint-Louis, il ne va pas à l'église. Jean-François Saint-Louis, il ne va pas à l'église, mais il aime Dieu. Il est ce qu'il est. Mais je trouve que Jean-François Saint-Louis m'a plus honoré que la plupart des fils spirituels pasteurs que j'ai formés. Jean-François Saint-Louis m'a plus honoré, a été plus reconnaissant. Je vous dis la vérité. Je suis allé sur Télé Anti, je suis en train de passer. Sur Télé Anti maintenant, ça fait 3-4 ans que je suis là-dedans. Jean-François Saint-Louis m'a dit, Bishop Eli, je reconnais ta valeur. Il m'honore. Et il me l'a dit en face. Il reconnaît le travail que je fais. Mais j'ai des pasteurs que j'ai formés, que j'ai baptisés. Des gens pasteurs que j'ai formés, que j'ai baptisés, que j'ai bénis, que j'ai mariés, qui prêchent la parole aujourd'hui et qui me critiquent tout le temps, qui parlent mal de moi tout le temps, qui m'humilient tout le temps et qui me combattent. Si aujourd'hui, je fermais mon église où j'ai tombé et qu'il récupérait tous les gens de mon église, c'est sans regret. Si aujourd'hui, Bishop Eli mourait et que la CRJC était fermée et que tous les chrétiens allaient chez lui, il n'aurait pas de regret. Des gens que j'ai formés, que j'ai baptisés, des années. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Mais quelqu'un qui ne vient pas à l'église, qui ne prêche pas, Jean-François, me respecte, m'honore. Il m'a dit plus de 3 fois et 4 fois. Il m'a dit plus de 3 fois et 4 fois devant témoins. Bishop Eli, tu as porté un plus à ma télé. Voyez, l'habit ne fait pas le moine. J'ai un ami qui s'appelle Pipo. Je ne donnerai pas de précisions. Peut-être qu'il me suit. Voilà, quelqu'un, ça fait plus de 28 ans que je le connais, que je travaille avec lui, Pipo. C'est un grand programmateur de musique, un homme talentueux, un producteur. Il a passé un temps vraiment difficile à Paris. À un moment donné, il a passé un temps difficile. J'étais là, je l'ai soutenu, on a redémarré ensemble. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là, il n'est pas fier. Il dit devant les gens ce que j'ai fait pour lui. Devant les païens, devant des musiciens. Dernièrement, il a eu Guilou Lafage, le chanteur, le grand chanteur Guilou.
Guillaume m'a dit, Bishop Eli, j'ai rencontré Pipo, il a dit ceci sur toi, il a dit, voyez, vous l'appelez païen, mais il a la reconnaissance. Mais j'ai des pasteurs que j'ai réussi à Bergevin, que j'ai réussi à l'assainissement, que je bénis avec beaucoup d'argent, j'ai donné beaucoup d'argent, que j'ai soutenu, qui ont logé chez moi à la maison. Aucune reconnaissance. Alors, j'aimerais vous dire, l'habit ne fait pas le moine. Arrêtez de rêver, l'habit ne fait pas le moine. Ne faites pas confiance à quelqu'un parce qu'il est en train de parler en langue, il est en train de prier, ou parce que ah, c'est l'homme de Dieu, c'est le prophète, c'est le... Quel prophète? Si vous êtes naïf, c'est votre problème. Et moi, je vous dis, ne me faites pas confiance parce que je parle comme ça. Faites confiance simplement à Dieu à 100%. Si vous sentez que le Saint-Esprit vous touche, écoutez le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous touche, vous dites que cet homme-là est un homme de Dieu, oui. Vous comprenez? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire confiance à tous les pasteurs, mais vous devez écouter le Saint-Esprit. Si vous sentez la paix, vous écoutez un homme, vous parlez avec un homme, vous sentez la paix à l'intérieur de vous, suivez-le. Mais si vous ne sentez pas la paix, vous sentez un gêne, vous trouvez quelque chose de bizarre, et même s'il parle bien, même s'il ressuscite les morts, même s'il chasse les démons, même s'il fait des miracles, soyez prudents comme un serpent. Jésus a dit en ces temps-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas guéri des malades, n'avons-nous pas prophétisé? Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Moi, je fais confiance à 100% seulement à Jésus. Seul Jésus, je dis Seigneur, merci d'être ce que tu es. Merci Seigneur. Jésus, lui, ne te décevra pas. La clé du bonheur, c'est auprès de Jésus. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Bon, je crois que ce chant dit quelque chose de bon. Mais je pense que elle dit pas toute la vérité. Vous voyez des gens comme ça, c'est beau, mais c'est pas vraiment ça. Si tu veux le bonheur, plutôt si tu veux être sauvé. Si tu veux le salut, la vie éternelle, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Là, c'est vrai. Si tu veux le salut, tu acceptes Jésus. Et tes pardons, tes péchés, tu es sauvé. Mais tu n'as pas encore le bonheur. Hein? Je connais des gens, je connais des chrétiens qui sont sauvés, mais qui sont malheureux. Ils prient à l'église, ils viennent tout le temps à l'église, mais il est malheureux. Mais il est sauvé. Il a accepté Jésus. Mais si tu veux le bonheur, fais du Saint-Esprit ton berger. Que l'Éternel soit ton berger. Que le Saint-Esprit soit ton directeur. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Et si tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie, alors là, tu connaîtras le vrai bonheur. Il te conduira sur le chemin, il te conduira vers des eaux paisibles, il te conduira sur le chemin de la justice, il te fera reposer dans des verts pâturages. Voyez, l'Éternel est mon berger. Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Laisse Jésus conduire ta vie. Laisse Jésus guider tes pas.
Fais-lui confiance. Laisse Jésus te marier. Voyez, les gens disent, bon, les gens sont chrétiens, mais ils mènent leur vie comme des païens. Ils sont conduits par leurs propres pensées. Ils prennent des décisions sans consulter Dieu. Ils se marient sans consulter Dieu. Ils se marient selon leur convoitise. Ils se marient par intérêt. Vous voyez, nous avons même des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens et qui prient nuit et jour, qui font des mariages blancs. Comment expliquez-vous quelqu'un qui prétend être chrétien, mais qui fait un mariage blanc? J'ai dit aux TikTokiens, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît, si vous voulez que la parole de Dieu se répande. Si cette parole vous édifie, tapotez, tapotez, j'aime. Quelqu'un qui s'est dit chrétien, il fait un mariage blanc. Vraiment, vous pensez que vous allez me dire que c'est Dieu qui vous conduit. Tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux. Donc le bonheur, c'est quand vous laissez le Saint-Esprit vous guider. Et j'aimerais dire à tous mes frères, la prospérité n'est pas en Europe, c'est un mensonge du diable. La prospérité n'est pas aux États-Unis. La prospérité est dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller à gauche, à droite. Vivez dans la présence de Dieu. Vivez dans la sainteté. Et le bonheur et la grâce vous accompagneront. Ce n'est pas à vous accompagner le bonheur, mais c'est au bonheur de vous accompagner. Ce n'est pas à vous à courir derrière le bonheur, à courir. Ah, il y a le bonheur en Europe, on y va en Europe. Ah, il y a le bonheur à Paris, on y va à Paris. Ah, il y a le bonheur aux États-Unis, on y va aux États-Unis. Ah, maintenant, il y a le bonheur en Inde. Ce n'est pas à vous de courir derrière le bonheur. Vous devez rester, courir derrière la présence de Dieu, chercher la présence de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, et le bonheur va courir, et le bonheur et la grâce vous accompagneront comme Milou accompagnait Tintin. Et le bonheur et la grâce vous accompagneront comme Milou accompagnait Tintin. Tintin est venu au Congo, Milou l'a suivi au Congo. Alléluia. Hayamasa mama mama. Ma sœur Iris, va sur YouTube, je t'ai envoyé un lien, tu pourras s'ouvrir la prière avec nous. Merci Jésus, il est la clé du bonheur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Nous allons voir ce verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de... Proverbe 18, verset 21. La version Louis II dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La version Darby dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de ses fruits. Ah, la langue, des fruits de la langue. Darby Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. Amen. Nous voyons un autre verset, Proverbe 18, versets 4 à 7 qui dit, « Et les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. » Proverbe 10, versets 20, 21, 31. « La langue du juste est un argent de choix. Le cœur de méchant est peu de choses. » Amen. Voyez, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. La mort et la vie ne sont pas au pouvoir des sorciers.
La mort et la vie ne sont pas au pouvoir de marabout. La mort et la vie ne sont pas au pouvoir du médecin. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'aimerais vous dire. Jésus nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir est dans notre bouche. Le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné est localisé dans notre bouche. C'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Jésus-Christ te dit que nul ne tiendra devant toi. Durant toute ta vie, nul ne tiendra devant toi. Est-ce que tu peux saisir cette parole pour toi? Est-ce que tu peux saisir quand tu as un problème, quand tu as une difficulté? Est-ce que tu peux dire « Nul ne tiendra devant moi » Que cela soit les sorciers, que cela soit des prêtres vaudous, voyez. Des fois, ça m'étonne de voir des chrétiens qui consultent des prêtres vaudous. Hein? Ces escrocs-là, ces escrocs. Vous allez consulter des prêtres mal-aimés. Vous allez consulter des marabouts. Et je ne vous dis pas combien de femmes mariées que ces marabouts, que j'appelle des microbes, abusent. On appelle ça viol par manipulation. Le problème, c'est qu'on vous informe pas cela. Dans la loi française, cela est appelé viol par manipulation. J'aimerais informer tous les pasteurs et tous les chrétiens, et même les païens. C'est quoi viol par manipulation? Viol par manipulation, c'est lorsque un homme manipule une femme pour avoir des rapports avec elle. Par exemple, vous allez voir un marabout, il vous dit, pour que vous soyez guéri, vous devez aller au lit avec moi. Donc vous allez au lit avec ce monsieur, vous n'avez pas d'amour, vous n'avez pas des envies, mais vous le faites parce qu'il vous a manipulé. Et devant la loi, c'est un viol. Un pasteur qui vous dit, malheureusement, je vous l'ai dit, c'est une honte. Il y a certains pasteurs africains à Paris, pas seulement africains, mais beaucoup africains, qui disent aux gens, tu veux être délivré, on va au lit. Je connais beaucoup des voyous, des gens maudits. Si vous faites ça, vous êtes quelqu'un de maudit. Tale longi ma belle, kola ngoulou, kola li golodo. Tu es un sorcier, tu es maudit. Si tu abuses des enfants de Dieu, si tu abuses des innocents, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais prospère. Je parle à tous ces pasteurs, soi-disant pasteurs, ce ne sont pas des pasteurs, qui se livrent à des pratiques abominables. À des telles pratiques abominables. Vous comprenez? Tu dis à quelqu'un, pour être délivré, il faut qu'on aille au lit. S'il y a un téléspectateur qui a été victime de tels abus, tu peux m'appeler et je vais t'aider à porter plainte, je vais te trouver un avocat et ce monsieur-là doit aller en prison. Et je répète, s'il y a un téléspectateur qui a été victime de ces choses, vous ne devez pas vous taire. Vous ne devez pas vous taire. Il faut que ces bandits et ces voyous soient arrêtés parce qu'ils vont continuer à détruire et abuser des autres innocents. Il ne faut pas vous taire. Et je vous promets devant Dieu, je suis prêt à vous aider, à sortir l'argent de ma poche pour que ces microbes-là, ces ratons, aillent en prison. Vous êtes en train de salir le nom de Jésus. Vous êtes en train de détruire les brebis du Seigneur. Hachaya mama mama mama.
Aya mama 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 mama. Sakamayata baba. Des satanistes. Alléluia. Eh ben, pardonnez-moi, mais je supporte pas ça, quoi. Je supporte pas ça, tous ces bandits-là. Et ce qui me choque, c'est parce qu'on n'est pas nombreux à dénoncer ça. C'est ce qui m'interpelle. Pourquoi je suis presque le seul sur TikTok? Pourquoi je suis presque le seul? Je ne dis pas que je suis le seul parce que je n'écoute pas tout le monde sur TikTok. Mais je sais que même sur YouTube ou sur TikTok, il n'y a pas nombreux. Pourquoi on est si prêt à dénoncer ça? Alors qu'on devait tous les serviteurs de Dieu doivent dénoncer ces comportements. Parce que ça salit l'œuvre de Dieu. Ça détruit des âmes. Comme on dit, qui ne dit mot consent. Tous les serviteurs qui dénoncent pas ça, quelque part, ils consentent. Et ça ne m'étonne pas. Parce que le nombre des serviteurs de Dieu, prétendus serviteurs de Dieu, qui sont des satanistes, des francs-maçons, des voleurs, c'est incalculable. Très peu de serviteurs sont encore intègres aujourd'hui. Beaucoup ont plié leurs genoux devant maman, devant Satan, devant Baal. Beaucoup ont plié leurs genoux. Parce que tout homme de Dieu qui aime Dieu, qui est intègre, qui a l'amour du Seigneur, ne peut pas se taire quand il y a de tels comportements. Il va dénoncer. Votre silence est complice. Votre silence est criminel. Ces bandes de voyous, de francs-maçons, de satanistes continuent impunément à détruire les enfants de Dieu, à séduire les chrétiens à cause de votre silence. Ah, je sais que je déclare la guerre, que j'aurai des problèmes. Aïe, aïe, aïe. Il y en a qui m'en voudront. C'est pas grave. Il y en a qui vont m'attaquer. Attaquer. Naïbi ke boyinangai. Naïbi ke boyinangai. Menako. Bébi samakambu nabino. Bandoki. Bouzoba nabino leki. Zaliba na zabulu. Bandoki. Non, le bébé n'a l'ingala n'a encore. Ozabanitoki. Shaya mama mama. Saya mama mama mama. Saya mama mama. Shaka mayanda. Kama yanda baba. Saka baba. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande à tous les hommes de Dieu intègres de se joindre à moi et de dénoncer ces comportements. Ne laissez pas des loups égorger les brebis du Seigneur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Arrêtez de parler négatif. Vous ne pouvez pas prier la guérison et parler maladie. Comme je dis à ma fille, à une de mes filles, il faut déclarer, j'aurai mon bébé, j'aurai mon enfant, j'aurai mon bébé. Dieu va agir. Voyez, même si le médecin dit, c'est fini. David dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, j'aime ça. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, voilà. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. On va voir ce verset. Psaume 118, verset 17. Voilà. Voilà. Il dit quoi, David? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. David a écrit ce psaume lorsqu'il était en danger de mort. Est-ce que c'était dans une guerre? Est-ce qu'il était menacé? Est-ce qu'il était malade?
m'est-il que le pronostic vital de David était engagé. Et il a écrit, il a dit « Non, je ne mourrai pas. Satan, tu es un menteur. Moi, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je témoignerai encore Dieu. Je prêcherai encore la parole. Je louerai encore l'Éternel. Tu n'es qu'un menteur. » Vous voyez ? Apprenez à déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être dans votre bouche. Et vous allez lire, si vous lisez Josué, regardez. On va aller dans Josué 1, on y va. Les enfants, on y va un peu, Josué 1. Je n'avais jamais remarqué ça. Hein? Josué 1, Josué chapitre 1, on va aller, voilà. Josué chapitre 1, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Le verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'étais-je pas ordonné? Fortifie-toi, prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Alléluia. Voyez, c'est la victoire. La victoire est dans la parole de Dieu. Et cette parole doit être dans ta bouche, mes amis. Elle ne doit pas être dans ta poche. Elle ne doit pas rester seulement dans ta tête. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la parole dans la tête. Mais cette parole doit être semée. C'est comme une graine. Quand vous avez des graines, vous la gardez dans un tiroir. Elles ne servent à rien. Quand vous avez des graines, vous la gardez dans un tiroir. Elles ne servent à rien. C'est comme les médicaments. Quand vous avez des médicaments contre les maux de tête, ou contre, vous avez la Nivaquine contre le paludisme, mais vous ne la mangez pas. Cet médicament-là ne vous servira à rien. Mais quand vous prenez le médicament, vous le consommez, alors vous allez vivre son efficacité. Vous allez expérimenter son efficacité. Et c'est pareil que les semences. Quand vous prenez une semence et que vous la semez, elle va pousser, elle va porter ses fruits. C'est pareil que la parole de Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir des versets dans la tête, de connaître la parole de Dieu et de ne pas la déclarer. De ne pas la déclarer. Ce que vous déclarez, c'est ce qui prend vie. Ce que vous déclarez au nom de Jésus, je réussirai. Voilà pourquoi David a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était en danger de mort. Il était en danger de mort. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, il n'a pas appelé des êtres humains au secours. Il a déclaré la parole. Qu'est-ce que vous déclarez quand vous êtes en difficulté? Qu'est-ce que vous déclarez quand vous passez un moment difficile? Qu'est-ce que vous déclarez lorsque les gens vous condamnent? Qu'est-ce que vous déclarez? Job était malade. Il était malade. Il a tout perdu. Écoutez, Job avait tout perdu. Il était malade. Mais il a fait une déclaration exceptionnelle. Alors, il dit, quelle que soit ma douleur, inexorable, quelle que soit ma souffrance, quel que soit ce qui se passe, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers. Mes propres yeux le verront. Aïe, aïe.
Je sais que mon rédempteur est vivant. Voyez. Mais qu'est-ce que nous on dit lorsqu'on passe un temps difficile ou lorsque tu passes dans un accident, tu vis un accident, on murmure, où est Dieu? Dieu m'a abandonné. Mais c'est écrit où dans la Bible que Dieu m'a abandonné? Donnez-moi un verset où Dieu a abandonné un juste. Donnez-moi un verset où Dieu a abandonné quelqu'un de juste. Dieu avait abandonné le prophète Jésus-Christ à la croix parce qu'il avait porté nos péchés. Il s'est fait pécher en un instant X, T, à la croix et l'onction ne peut pas rester sur le péché. Voilà pourquoi Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait pris tous nos péchés. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Tant que tu vis dans la sainteté, Dieu ne t'abandonnera pas. Dans Josué 1, on a vu, il a dit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques, sache que Dieu jamais ne t'abandonnera. Sayamama. Merci Seigneur. Ah. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Ah, il y a mon chien qui fait le cauchemar. Oh, attends, je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi.